GFX. Vous avez vraiment dit GFX? Non. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est réellement un graphiste, point par point, étape par étape, en revenant sur chaque chose qui fait de vous un bon graphiste ou pour déceler les vrais défauts, les fakes, autrement dit, et pas un GFX comme la plupart disent. Donc on va commencer par ça d'ailleurs. Alors un GFX, c'est ça. La traduction est graphics ou graphics effet. En français, ça donne effet graphique. Voilà, vous n'êtes pas une illustration de ce que sache, mais bien des humains. Donc on dit graphiste. Donc tous ceux qui écrivent GFX ou même GFX Pro, qui est pire, bah ils ne sont pas à prendre au sérieux tout simplement. Oui, je l'ai mis dans mon pseudo, mais je vous expliquerai plus tard pourquoi je l'ai fait. Du coup, c'est quoi un graphiste? La réponse simple, je vous dirais une personne qui crée pour vous, basiquement. Mais la vraie réponse que moi je vais vous donner de mon point de vue, un graphiste, c'est une personne qui va créer du contenu visuel et sur la communication pour vous, sur plusieurs supports tels que YouTube, ou plus banalement, un site internet, mais aussi des fonds d'écran, des posters, des images, bref, tout ce qui touche de proche ou de loin au graphisme. Ouais, c'est pas si compliqué quoi, en réalité. Après, t'en fais pas, je vais revenir sur pourquoi c'est si cher que ça, alors que c'est si simple au premier abord. Maintenant, faut quand même savoir qu'il y a plusieurs catégories, dont deux grandes avec des sous-catégories, mais on n'est pas là pour les classer. Donc on retrouvera ainsi les infographistes qui travaillent essentiellement sur le numérique, comme moi je fais, et les maquettistes, qu'on ne parlera pas dans cette vidéo. En gros, c'est ceux qui font les plans, les maquettes, la mise en page, bref, vous avez compris, maquettiste, tout est dans le mot, c'est pas compliqué. Maintenant, la vraie question est de savoir déceler le bon du mauvais graphiste. Ce qui n'est pas si facile avec tous les GFX putain de merde qu'il y a sur internet. Dans un premier temps, demandez-lui de donner la définition exacte de GFX. Vous verrez tout de suite si c'est vrai avec ce que je viens de vous dire. En principe, il va se tromper. Ensuite, il faut voir si le dit graphiste a un support d'illustration pour sa création. C'est beaucoup plus facile pour se rendre compte du travail donné par celui-ci. Et ça permet parfois de vous aider dans le choix de votre propre création que vous voulez. Il peut avoir un portfolio, donc ça c'est une bibliothèque d'images, ou beaucoup plus pro, un site web, donc qui contient toutes les informations sur lui, comme sa biographie, avec son travail qu'il fait dessus, et une partie contact pour pouvoir lui parler. Pour la plupart du temps, c'est comme ça que c'est fait. D'ailleurs, le mien est en description. Va voir, il est plutôt... J'y ai bossé pendant un bon moment. Quant aux illustrations, quelques indices vous permettront de voir la qualité de son travail. Vous serez ceux qui ont un « style » entre gros guillemets, parce que pour moi, un vrai graphiste, disons-le comme ça, doit savoir faire plusieurs styles et non pas qu'un comme les fameux GFX Pro Minecraft. Qui se limite trop qu'à un jeu. Bannière Minecraft, logo Minecraft, launcher Minecraft. Non les gars, je vous le dis tout de suite, vous n'êtes pas graphiste. Les vrais sont ceux qui vous diront qu'ils peuvent faire absolument tout ou presque de ce que vous leur demandez. On passera à côté du style 3D dégueulasse comme là, qui ressort constamment et qui est même dispo quasi partout en template gratuite. Donc vous embêtez pas, si vous voulez ce style, vous prenez une template gratuite sur YouTube, c'est pas ce qui manque et c'est plus simple que de contacter un graphiste. C'est gratuit, donc bon. Maintenant, on va voir la chose la plus essentielle pour déceler le bon du mauvais. Et calmez-vous, c'est l'âge. Alors, il y a des très jeunes qui font du travail d'une qualité irréprochable, comme des plus vieux qui font de la merde. C'est évident, l'âge ne fait pas tout. Mais dans la plupart des cas, ça en dit long sur la personne. Admettons, elle a 13 ans et se dit GFX, comme beaucoup sur Internet. Franchement, GFX, ça commence à me casser les couilles. Et ça, depuis 3 mois. Vous croyez vraiment, mais vraiment, qu'il peut tout vous faire de ce que vous demandez, dans les moindres détails? Moi, je vous dis que non. On peut pas tout apprendre en graphisme en seulement 3 mois. Et c'est là où je voulais en venir, depuis combien de temps il exerce cette passion? Parce que oui, graphisme, c'est aussi avant tout une passion. Ça se fait pas sur un coup de tête, pas seulement pour gagner de l'argent du jour au lendemain, mais ça s'apprend au fur et à mesure, pendant des mois, voire des années. Pour ma part, ça fait plus de 5 ans que j'exerce, et n'allez surtout pas croire que c'est avec une formation professionnelle dans une école spécialisée pendant un an, même avec des pubs qui est sur Facebook qui vous propose ça, qui va faire de vous un graphisme hors du commun. Loin de là. Même au contraire. Ces personnes sont formées sur un seul logiciel, à quelques tâches seulement. Comme tous les métiers liés au visuel et dans le média, en fait, ce sera toujours mieux d'apprendre sur le tas tout en pratiquant. Donc, ne vous faites pas avoir. Voilà toutes les infos qu'il faut pour vous, pour trouver les bons graphistes et non de faux GFX qui sont là seulement pour l'argent. Et d'ailleurs, parlons-en de l'argent, c'est très important, parce que oui, une création graphique, bah, ça se paye. On va maintenant revenir sur ce que je disais tout à l'heure, pourquoi c'est aussi cher. Même si je sais que beaucoup de personnes le font à 1, 2 ou 3 euros, 5 euros, mais franchement, une création, bah, ça mérite beaucoup plus, voyez vous-même. Dans un premier temps, le client, oui, c'est un client, et vous, vous êtes vendeur, c'est aussi ça, graphiste, être vendeur.
Quand il va vous contacter, après avoir pris connaissance de vous suite à sa visite sur votre site ou sur votre portfolio, il va vous demander ce qu'il souhaite. Et là, il y a deux écoles. Ceux qui sauront parfaitement ce qu'ils veulent, ce qui va faciliter grandement la tâche pour le graphiste, et ainsi avoir un gain de temps considérable, ou alors ceux qui ne savent pas du tout ce qu'ils veulent, auquel cas ce n'est pas grave du tout, parce que c'est votre boulot à la base de faire ça, réfléchir pour les autres. Ensuite, une fois que l'étape de réflexion et que l'idée est trouvée, il faut mettre en place les logiciels qui vont servir à faire votre création. S'il y a de la 3D ou pas, et tout ça, ça prend du temps. N'allez pas croire qu'on nous Photoshop, qu'on prend une image trouvée sur Internet, qu'on la colle et on dit basta, c'est fini. Non, il faut d'abord que l'idée sorte de la tête, ensuite il faut le faire, ça prend pas 5 minutes. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'un graphiste, en plus de vous faire votre bannière par exemple, ou logo, va en plus prendre du temps de sa vie, peut-être qu'il avait autre chose à faire, on ne sait pas, et ça, il le fait pour vous. Mais vous me direz, c'est son choix, certes. Une fois le travail fini, au minimum une journée, voire plus, pour une meilleure qualité, il va vous montrer son travail, puis vous allez le juger, voire rajouter des choses dessus selon ce que vous voulez. Soit ça passe et c'est fini, soit ça passe pas et il faut le refaire à zéro. Donc c'est reparti, on reprend tout ce temps juste pour vous. Bref, vous l'aurez compris, graphiste, c'est pas simplement faire un dessin de Minecraft sur Photoshop. Pour résumer, prendre l'idée ou la trouver à votre place, le faire sur tous les logiciels prévus à cet effet. On compte aussi les temps de rendu qui sont assez longs pour tout ce qui touche à la 3D. Évidemment, faire tout ça proprement avec passion, hein, pas pour le pognon, et dans plusieurs formats de taille possibles pour que le client soit satisfait au maximum. Bref, c'est long et selon le résultat qui sera donné de bonne ou de mauvaise qualité, quant au graphiste choisi, vous comprenez maintenant pourquoi les prix peuvent être très chers et pas se limiter à simplement 3€. On a une vie derrière, faut payer ça pour certains graphistes. Pas tous, mais la plupart, bon voilà. C'est tout ce que je pouvais dire pour expliquer ce qu'est un graphiste et non un GFX. Enlevez ce terme de votre bouche, sans déconner, enlevez-le. Après, comme j'ai dit plus tôt, le mettre dans votre pseudo, ça peut simplement être un moyen d'attirer des gens, même si c'est un terme faux, c'est pour ça que moi j'ai mis GFX graphiste. Les gens se perdent moins, mais je me dis graphiste quand même, parce que je sais ce que c'est, je connais le terme. Donc si vous tombez dessus des graphistes et qui savent pas expliquer pourquoi, maintenant, vous pourrez leur demander et savoir ce que c'est, voyez. Après, quant au prix, bon, pour ma part, moi, je suis sur du 10-30€, ce qui est pas si cher à la base, surtout quand on fait votre image pour vous, c'est votre image que vous allez vendre. C'est très important de se rendre compte qu'il faille payer ça juste pas 5€. Donc, je vous invite à aller sur mon site que moi, j'ai mis dans la description, vous verrez, c'est plutôt classe. J'ai essayé de faire ça très proprement, certes, avec Wix, mais j'ai pas forcément le temps et l'argent pour le faire très professionnellement. Donc, voilà. J'espère du coup que vous aurez absolument tout compris dans cette vidéo, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire là-bas dans les commentaires, dans l'espace commentaire en fait, tout simplement. C'était Kev, je vous dis tard plus et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.